Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite d'Assassin's Creed Black Flag. La dernière fois donc, nous avions récupéré toutes les îles à part celle-là et on allait le faire tout de suite. Et après ça, on fait les deux grottes. Donc ici les deux, grottes repères de contrebandiers sans doute. Et ensuite, on refera une petite mission d'histoire avant de partir à l'aventure. De toute façon, on peut tellement faire des trucs ici que... On pourrait consacrer tout un épisode entier juste à la... À récupérer les bignoux qui traînent sur les îles non sur la carte. Donc c'est un mec qui se noie là-bas, on s'en fout. Alors, allez, t'as passé un bon week-end ? Oh, vous savez, capitaine, moi je passe mes week-ends ici, donc. Ouais. Moi aussi, tu sais, je passe mes week-ends ici. Sur ce bateau. C'est bien. Oui, capitaine, c'est bien. Ouais, Adewale. Et sinon, Adewale, c'est quelque chose de prévu ou. Non, capitaine, juste être sur le bateau. Ouais, moi aussi. Le bateau. Sinon, tu crois vraiment que le phare il existe? Oui, hein, c'est un peu le point du jeu qu'il existe. Sinon, personne courrait après. Mais t'as peut-être raison, capitaine. Voilà, j'ai toujours raison. Elle est un peu loin cette île, capitaine. On aurait peut-être pu se déplacer rapidement si tu t'as dévoilé. Oui, j'ai compris, à dévoiler nos ennemis quadrillent ce secteur. On s'en tape. On va, on s'est dans le tas. Dans le tas. Oui, dans le tas. On va foncer dans le tas. Barrez-vous, con de mime! Ouais, je vous avais prévenu, hein! Thank you.
pourquoi j'aborde ce navire, vous allez sans doute me dire, eh bien, c'est pour la simple et unique raison que j'ai pas de race. Non, Philippe, il va pas! Il y a un mec avec un crâne, il veut te tuer! Et voilà, c'est fait. Bravo Philippe, tu as survécu. Oui, j'ai survécu. Philippe ne sait pas ce que survécu signifie. Alors vous allez lui expliquer, les gars. Bon, on n'a pas eu grand-chose. Mais on repart avec une bonne cargaison. Et eux, ils repartent avec un bateau troué. C'est bon, y'a plus personne en fait. Juste le fait de démolir le bateau, ça a fait genre, oui mais les autres bateaux maintenant on les oublie. Laissez-moi descendre. Oui, je suis descendu à terre. C'est bien le chien. C'est bien. Tu manges des humains. Tu manges des donuts. Non. Arrête avec le chien, sinon je la bats. Sincèrement. Tu récupères la carte et tu t'en vas. Non, le chien, il fait des tours. Je m'en fous. Je m'en fous que tu fasses des tours. Moi, tout ce que je veux... c'est que on soit tranquille. Donc, quelque chose me dit que dans le point là avec les deux mecs en rouge, il y a un truc à voler. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Oh, l'instinct. Donnez-moi le coffre avec les papiers. Encore quelqu'un qui a balancé ses déchets dans l'océan. C'est pour moi. Ils ont encore mis le bignou en haut du bar. Ils sont quand même au courant qu'il y a des endroits mieux pour les mettre. T'as toujours pas compris, Edouard, que je veux pas que tu montes sur la petite table là.
Je veux que tu montes là-haut. Et les petits coffres. J'ai cru qu'il était bugué. Le frère Indy. On va la prendre. Juste parce que après ça, on n'a plus rien à faire sur cette île. Déplacement rapide. Parce qu'en plus, on vient me prendre mon fort. C'est moi qui ai pris le fort. J'ai pas raison à dévoiler. Oui, vous avez raison, capitaine. Vous, j'avais pris honnêtement. Et lui, il l'a pris. Du coup, c'est moi qui vais l'assassiner. Exactement, capitaine. Bien des hommes ont peur de Kenway. Le diable, qu'il l'appelle. Mais j'ai une chose qu'il n'a pas. Ce fort. J'aimerais bien voir ce diable tromper la vigilance de mes hommes. S'il essaie, je lui promets l'enfer. Ça m'étonne pas de toi. Ouais, qu'est-ce que je disais? Il m'a volé mon fort. Tu saurais de quoi je parle. Épargne-moi tes mensonges. J'en ai assez de t'entendre palabrer. Tu regretteras d'avoir dit ça quand tu te retrouveras face au monstre du Nord. Tu sais ce qui va arriver. Il va t'avaler avec ton navire et toutes les baleines des environs. Tu verras. S'il n'a pas été capable d'avaler ta grosse tête, il me fait pas peur. Ok, c'est lui qu'il faut que je tue. Eh bien, capitaine. Alors comme ça, je n'efface pas. Mais toi, tu n'as plus la vie. Si, c'est pas mal. Messieurs. Le fort est de nouveau à nous. Un combat naval? Oh non, merci. C'est suivre un bateau, ça? Non, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Ah oui, trouver les caches ici. Chantez, les gars! Oh, Billy Riley, what's a dancing master? Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, master.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Et on dirait que tu as attiré l'attention de tous les ennemis des environs. Et c'est-à-dire? Des briques! Donnez-nous les voies! Ils font feu, capitaine! Voilà, c'est fait. Dites les gars, il n'y avait pas genre une dizaine de bateaux là les 30 secondes. Bah bon. Ils n'ont jamais été là, tu sais. On fonce vers les rochers, capitaine. Exactement. Ah merde, il faudrait vraiment que, tu t'achètes des lunettes à dévoiler. Tu peux pas lire plus haut. Capitaine est dans l'eau. Ah bah le capitaine il va piller quelques collègues, alors chut. Tu ne seras pas mort de soif. Il est en train de se disputer tout seul. Ni, je brûle.
Allez, viens, déviens, déviens, viens me chercher. Mais je ne serai plus là. Ah, c'est contrebandier. Les coffres des contrebandiers. Ainsi que le bignou. Du coup, il ne nous reste plus que le secret. Et le secret est à l'extérieur. Et voilà, la cachette des contrebandiers a été défaite. Mes coffres se sont remplis. Et une fois que j'aurai récupéré cette petite bouteille, cette zone a été pacifiée. Et en plus, je retire les ordures de la plage. Je dois m'absenter quelques secondes, donc je vais vous faire une petite ellipse de temps de remonter sur le bateau. Ellipse. Alors, repartons tout de suite à l'aventure. Nous allons nous diriger vers l'autre cache de bandit. Je me demande quand même. Mystery Island, c'est là qu'on avait été ou c'est ailleurs? Principe, c'est là qu'on a été, non? Non, c'était une île au large de l'Afrique, mais c'est où? C'est normalement les trucs comme ça. Après, on pourrait essayer de visiter ça. Mais je pense que c'est spoilé. Ah, on n'a jamais été là. Ça, c'est donc la Floride, ce qu'on a là au-dessus. Donc, on va faire ça. D'abord, on va partir de là, parce qu'au moins, on est déjà à l'extérieur. Par contre, c'est toujours le brouillard. C'est chiant. Qu'est-ce que... Ah. Ça, c'est un truc...
Non, les frégates en fait sont dans un niveau neutre. Et c'est les manoirs qui sont en rouge. On y est. Du tout. Nous sommes sur l'objectif. Gardez le navire en place le temps que je plonge. Mais non, mais arrêtez de vous éloigner. Capitaine à la mer. Allez, on part à l'aventure. Pas plouf. Arme à l'épaule. Nul n'était au courant de ma venue. Pardonnez-moi, mais j'ai les câbles emmêlés. Ça m'énerve quand ça fait ça. Allez hop. Ouais, bah peut-être bien que ça t'a gâté la cervelle. J'ai du mal à nous à faire péter un baril. Un tout petit. Je crois que Jones ne pourra pas te répondre avant un petit moment. Ce pauvre gars qui a été attaché là, avec une carte en trésor en parfait état. Eh bien maintenant, tu es vraiment mort pour ta famille. Il ne reste plus qu'un petit coffre. Un seul petit coffre. Mmh.
Et voilà. On est où ici? 894-262. Mais non, on n'avait pas de carte au trésor. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie le jeu? Parce qu'au moment où je suis arrivé, il m'a dit il y a une carte au trésor pour cet endroit. J'ai peut-être pas reçu aussi. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Et donc, ce que je croyais être le dernier truc n'est pas le dernier parce qu'il s'agit de la Floride. On va y aller tout de suite. En fait, nous sommes sur une petite île sur les larges, enfin, au large des côtes de la Floride. Ce qui fait qu'on est vraiment sur les Caraïbes. Non, bon, je suis Jack Sparrow. À passer mon équipage en mode église. Le capitaine se sale la couenne. Soyez poli. Un dauphin. Et voilà. C'est une île complètement faite de naufrages et de... Et mon bateau qui s'est encore éloigné. Ah, il y a encore quelqu'un qui a jeté ses ordures sur la plage. Pas possible. Peu. Je récupère l'adresse de toutes ces personnes, ainsi je peux leur renvoyer la bouteille. Il est venu mourir ici pour 25 balles. Il a un sacré problème, ce monsieur. On dirait presque de, comment, le truc du Barati dans One Piece. Quand le combat était à moitié terminé. Mais si, toi-même, tu sais. Le combat contre Don Krieg. Épée en or assortie, what the fuck? On a deux bateaux remplis de butin juste à côté. Est-ce que j'ose prendre le butin? Tout en sachant que là, j'ai 2 mètres à faire pour quitter le bateau et aller sur un autre. Et en plus, le butin peut être assez gros.
bateau. Il n'y avait qu'un coffre en fait. Du coup, en fait, c'est un coffre inédit que je viens de récupérer. Une minute pour piller, c'est mieux qu'à Fort Boyard. C'est un dernier navire à piller juste là-bas. Par contre, je suis pas sûr que ça passe le taf, hein, des épées en or. J'ai des doutes, hein. Moi j'ai toujours vu l'or comme une matière assez friable, donc... L'idée que tu puisses en faire une lame, oui, après tout, pourquoi pas, mais c'est pas sûr que ça va bien couper grand chose. Et surtout que je suis pas sûr que ça va durer. À moi. Et je nage dans des roches. Vite les gars, ça va exploser. Tout le monde est en mode panique. Panique de Findus. Salut tout le monde. Alors d'après ce que je vois, on a terminé, hein. Il n'y a plus trop d'îles inexplorées. Les seuls trucs blancs, c'est parce que j'ai pas fait les bagarres de bar et ou les assassinats. Ce qui nous reste, c'est les cloches. Qu'on fera la prochaine fois après l'histoire. En fait, voilà, la prochaine fois, on fait l'histoire. Voilà, on fait ici. Puis je me tape toutes les cloches. Sans doute en deux épisodes. Puis on reprend l'histoire. Et entre-temps, j'essaierai peut-être en off de choper tout ce qu'il y a là, un peu. Bah après, je peux faire un épisode dessus, mais ça va être chiant vu que ça va être juste moi qui vais m'aller partout pour récupérer les coffres juste pour le truc d'avoir tout à 100%. De toute façon, on pourra même pas l'avoir à 100%, on sera obligé d'avoir 99% parce que voilà, à cause du bug là. Comment ? Ah non, pas à Havan, à Kingston. D'ailleurs, Kingston, il manque la moitié des trucs. Pourquoi ? Parce qu'il manque la moitié de la ville ici. Mais comment l'atteindre, c'est ça le problème, parce que ou alors faut passer par là, mais bon, c'est un peu chiant. En tout cas, bref, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.